Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de notre Beta Weekend 5 Icarus en coop avec Lotus et Capo. Et aujourd'hui, c'est parti, on va faire le scan dans le désert. En route. Ok. 12. Ok. Ok. Voilà, vous avez 50 balles de fusil que vous pouvez récupérer. Chacun en plus. J'ai fait 6 régénérations d'endurance. Ça peut peut-être plus nous servir que des soins. Ouais, effectivement. J'ai un pot de belly stove. Ah, il faudrait du bois. Je vais en profiter pour recharger ma bonbonne d'oxygène. Un stack de bois. Des sacs de couchage. Que quelqu'un les prenne. Oui. Tu pouvais récupérer celle qui était déjà pleine, hein, de bonbonne d'oxygène, celle de Krios. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Le radar, ça c'est sûr. Le truc pour détruire, il y avait juste pour rentrer dans le désert, il n'y a pas besoin après. Non, ouais, c'était juste pour rentrer dans le désert. Et là, ça lagouille un peu avec les lumières. Alors, vous pouvez prendre vos deux pots de régénération d'endurance. Poison, je sais pas si on aura besoin. C'est quelle la génération? C'est là, c'est laquelle? Ah, c'est là-haut. Ouais, là-haut, ouais, le pot avec l'éclair. Je prends quand même quelques anti-pneumonie au cas où. Je prends un stack du coup de berry jam. On prend les kits de suture au cas où. On prendra, Capo, tu prendras des poissons et des viandes. Et le pain. Ouais. Ça, si on a faim, faut demander à Capo. Je vais prendre de lentilles. Hein. J'ai deux antiparasitiques là pour au cas où on ait des plaies infectées. Ouais. T'as des kits de suture d'avance? Oui, j'en ai 6 sur moi. J'ai 6 kits de suture. T'as des attelles? Tu peux pas en faire plus. Hein? Tu de suture, tu peux pas en faire plus si on tombe sur des félins. Ouais. Ok, j'en refais plus, pas de soucis. J'en refais plus. Ça risque d'être utile, je pense. Oh, ouais, alors il me faut du cuir, des os et de la fibre aille. Des os et de la fibre aille. Avec des os, j'en ai 20 là. 96 dans ton. La fibre, t'en as là pour le. Ici. Ouais, dans... La fibre, ouais, c'est pas un problème. C'était juste les os qui m'inquiétaient, mais c'est bon. Et les. Des attelles, quelques-unes. Ok, je vais faire des attelles aussi. Alors, peut-être pas beaucoup, mais. Le kit de suture, anti-parasite. Qu'est-ce qu'on oublie? Puisqu'on se prépare à partir, je me mets dans le lit. Si vous voulez dormir, moi je m'absente 2 minutes. Ok. Je vais aller préparer psychologiquement pendant 3 tours. Ça marche. Tu as de la corde en rab? Attends, il y en a 51 dans le crafting bench. Parfait. Faut faire un crafting bench. Crafting bench. Fibre, bois, pierre. Pas de bâton aussi. Pierre. Le bâton. Oups. Bois, j'en ai. Fibre. J'ai pas fait gaffe à combien il en fallait. Plus c'est 60. Je fais. Par contre, les attelles, ça prend un emplacement par attelle. Hein. Ah ouais, mais fais-en que 3 peut-être. Trois. Ouais, chacun. Bah, je vais en faire 6 et je vais en garder 3 à la maison. Et du cuir, du cuir. Oh là là. On est tellement blindé de cuir. Ouais. Faudra en détruire. Ah. Ok, par contre, des kits de suture, j'en prends que 10. Je crois que ça stackait par 20, mais non, ça stack par 10 en fait. Ah. Bah, éventuellement, t'en prends, j'en prends.
en plus qu'on partir. J'ai mis un paquet de 10. Bah, c'est pas ça, c'était juste pour éviter d'avoir trop de sacs. Je préfère mieux prendre plus d'attelles. Alors j'ai les 6 attelles. J'ai les soins, j'ai mon boost de mon speed. J'ai du coup, je prends un stack de kits de suture. D'accord. Un boost d'endurance, j'ai mes balles. Il me reste quelques places. J'avais besoin que je prenne quelque chose d'autre. Il y a les lits, mais moi j'ai encore plein de places. Hein. J'ai même pas la moitié d'utiliser un temps. J'ai les 4 lits. Et il me reste 6, 8 places. Par contre, en poids, je suis très large. Je me fais des bandages classiques aussi. Sage. Je vais prendre de l'antipoison au cas où. Je sais pas trop sur quoi on va tomber. Donc. Ah ouais, ça pourrait être bien de l'antipoison. Okay. Vu qu'on sait pas trop sur quoi on va tomber. Je te paraphrase. Hein. Mm-hmm. Pas de soucis. Bon, moi je sais sur quoi on va tomber, mais je sais pas les dégâts qu'il fait donc. J'ai pris 100 de bois. T'as pris tous les lits du coup ? J'ai les 4 lits, j'ai les 6 attelles, j'ai tout ce qui concerne les soins. Donc j'ai de l'antipneumonia, j'ai un antiparasite et okay. Antipoison. Antiparasite, j'en ai que 2. Je sais pas si je vais pas essayer d'en refaire un peu. Il me faut juste quelques machins que j'ai déjà fait vu que. Il n'est pas la cryose, je peux les utiliser. Pardon. J'en ai 2. Hop, 4 de plus. Ah, vous voulez pas dormir, vous, bon. Si, on va dormir. Mais, oh, j'ai fait le harvest sur le maïs, j'en ai récupéré que 1 cette fois-ci, ce qui est pas très utile. Ah. Faut avoir la compétence, je pense, pour en récupérer plus. Et du coup, le maïs, on en fait quoi? Tu peux juste le manger. Non, oui, non, tu le manges. Enfin, a priori. À moins que tu vois une recette pour faire du pain avec le maïs. Je sais pas où est-ce que tu fais ta pâte à pain. C'est dans le four, cuisine. Attends, je regarde. Hein. Ah, il y a un loup qui attaque la maison. Ouais, j'ai entendu aussi. Allez, il est là. J'éclaire et vous tirez. Voilà. Voilà, moi. Non, mais ça, c'est une pioche, le dos. Non, je suis trempé. Je dis ça, c'est par rapport au fait que. Voilà, il a tout cassé. Voilà, on n'a plus d'escalier, c'est mal. Oui, si, il a encore l'escalier. Il est où mon marteau? Perdu mon marteau. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il a cassé? Tapé dans un mur. T'as réparé, Gabo? Non, moi j'ai ramassé les os. Ah, par contre, tu te mets devant moi. Je peux pas réparer quand il y a quelqu'un devant moi. Bah non. Tout réparé, ça c'est réparé, c'est réparé, le volet n'a rien, la porte n'a rien. Si la réparation marche avec l'IRL, c'est cool, apparemment. Je vais prendre un marteau de réparation, du coup, au cas où. Quelqu'un prend un firewalker, éventuellement. Ce serait con qu'on foute le feu hein, à notre crafting bench, par exemple, si on se fait une pause. Ok, j'ai repris le mien. Et juste pour se faire une idée du trajet, il va falloir aller tout au nord. Il y a un paquet de grottes. C'est en L4, c'est ça, il me semble. Je te dis ça tout de suite. Ah non, K3. K3. Vraiment tout au nord. Donc en fait, une fois qu'on traverse le petit ruisseau, on peut suivre la falaise à gauche. Et il y a des grottes un peu tout le long, mais
Pas énorme. Il y a la pâte à consommation alimentaire, c'est avec de l'éponge. Non, c'est éponge, c'est marqué. Ouais, c'est écrit éponge, je sais pas quoi ça sert en fait. Peut-être dans les lacs, il va y en avoir des. Ah ouais, peut-être. J'ai pas vu. Ouais, c'est j'ai il faut une éponge du charbon et du lys, mais c'est vrai que les éponges, j'en ai jamais vu. Et aussi ouais. Consommation d'eau. Est-ce que t'as cherché en même temps des éponges? Bon. J'ai regardé un peu au fond du lac, mais j'en ai pas vu. On va dormir. On mange, ensuite Capot prend de la bouffe et puis on y va. Ouais. T'as pris tes régénérations d'endurance, Capot? Oui, ouais. C'est bon. À dodo. Quelqu'un a allumé la cheminée, non? Tu vas le faire, j'en suis sûr. Yep, c'est fait. On n'attend plus que deux personnes. Une personne. Ouais, j'arrive. Je regardais si je trouvais une recette avec des maïs, mais je vois rien. Ouais, pareil, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Le feu, je vois plus la cheminée, moi. Je la voyais juste avant, non? Je sais pas. Mmh. Bon, je l'éteins. J'ai pas fait gaffe. Je prends la bouffe. Je vais juste reprendre mon oxygène à fond. Ah bah. Je prends deux stacks de viande, deux stacks de. Oh, on va pas partir tout de suite. Bah si, ouais. Parce que de toute façon, il y aura pas le même de l'autre côté. Ouais, oui, alors c'est deux stacks de poisson, deux stacks de viande, je prends le pain. Ah oui, faut que je prenne mon stack de confiture aussi. Ouais, ça je l'ai pris. Je vais prendre la bouteille d'oxygène en rab, au cas où. Ouais. Je mange. Et je mange une baie, ça ira bien pour commencer. Ah mince, tu peux me remettre... ouais, non, c'est bon, je vais prendre un poisson. Ouais. Tu veux pas prendre des baies, Capot, au cas où? Si on a fini les confitures? Bah, on avait un confiture chacun. Ouais, on a de quoi faire. Je prends le stack de confiture en plus, au cas où. Ah, éventuellement, ouais. Oui, là, le pain, confiture, plus viande et poisson, on a de quoi faire. J'ai réparer mon couteau, mais ça je peux le faire sur... Ouais. Non, moi j'ai réparé le mien avant de partir, j'ai même réparé mon arc. K.O. Mon arc, je l'avais réparé aussi, c'était le couteau que j'avais pas réparé, je le répare maintenant. Je suis dans la grotte. Le radar. Qui a pris le radar? Oups. Ah, personne. Tu le prends le dos. Tu... Yep. C'est juste le radar qu'on a besoin, hein, c'est ouais. Ça C'est ouais. Ça. Oh, y a un ours juste devant la maison. Oh là là. Ah. M'attaque pas, hein. Le gène. Ou je te mets un coup de balle de fusil dans la figure. Hein. Non, je reviens au cas où. Hop. Reviens à la maison plutôt. Je sais pas où c'est le cas où. Mais... le radar. Hop. Est-ce que vous voulez qu'on prenne aussi la. La quoi? La drill? Normalement. On peut la prendre, hein, au pire. Mais je peux pas prendre les deux par contre. Hein. Ouais, bah. Si Capot, tu peux prendre la drill? Ouais. Allez. Dans l'armoire au fond. D'accord. Je vais préparer ça. Ouais. Dans l'armoire au fond. Et la drill. Il faut que tu la mettes sur ton dos, sur ton emplacement. Ouais. Dernier emplacement. Ça marche. Je l'ai. Comme un kilo de couvre. Elle est pas lourde. C'est bon, Capot? Ah oui. Ah non, je sais pas. Bon, je me remets à l'abri au cas où, hein, parce que... Je commençais à avoir de l'exposure comme il faut. Yes, vous êtes pas mal tous les deux comme ça. Eh ben en route. En route pour l'aventure. Ouais. Par contre, t'as pris un jerrycan d'essence? Non. Oh, putain. Bon bah c'est pour ma pomme cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'on a les machines, mais on n'a pas de carburant pour les faire fonctionner. Thunderstorm. Il y a un orage qui arrive en plus. Ouais, mais c'est le moment rouge là. Voilà. J'attends juste que le...
pas trop avancer non plus parce que... Je vais alterner entre la pneumonie et l'exposition. Ouh, ça bombe vite là, la vache. Ouais. Et puis là... Là ça lag. Ouais, ouais, et elle est costaud celle-là. Waouh. Même les animaux qui n'ont pas la bruit. Allez. Ah, et lui il a pris son courage. Fais gaffe au nounours, hein, il tourne autour de la maison. J'ai mon fusil en main. Adieu les rues. Il y a tous les animaux qui courent dans les grottes. Okay. J'ai pris un bidon plein. Ah. Une éclair qui a tapé la maison. Où ça? Dans le coin au-dessus du coffre du fond que t'es de la machine. Oh la vache. Ah bah il a dû me viser l'éclair en fait. Je pense. C'est bien foutu quand même. On n'a pas mis le paratonnerre. Pour la peine, je remange un poisson. Exposure, peut-être que je rentre là pour regarder ça. J'arrive messieurs. Je suis là. Oula, ça lag un peu là, hein. Le stream. Un petit peu, ouais. Un peu beaucoup même. Ouais. La tempête, ça n'aide pas quand même. On va profiter. Hop, on va faire plein de la gourde. Ouais, moi j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai chopé des bactéries. Alors, va falloir aller au nord. C'est pas le rocher qu'on n'a pas ramassé. De quoi? Il y a un rocher qu'on n'a pas ramassé dans les droits. C'est du titane. T'es sûr qu'il a pas changé? Je pense que c'est du titane. Donc, nous allons. Il fait beau en fait. Ouais. En premier lieu. Nous allons aller direction, comme d'habitude, le petit ravin, là. Et puis, on remonte de l'autre côté, le long de la montagne. On suit la montagne, oui. Peut-être jusqu'au ruisseau suivant. On suit la montagne ou on suit le canyon? Non, le canyon, il va pas dans le bon sens. On va suivre la montagne, et ensuite, on pourra suivre un canyon si ça nous arrange, parce qu'il y aura plus de grottes, effectivement, le long de ce canyon-là. Il fait plus frais aussi. Il fait plus frais, ouais. Moi là, je trace jusqu'à être essoufflé. J'allais dire, votre stamina, elle est immense hein, par rapport à moi. Viande, poisson, lit et baies. Pour être plus grande, j'ai pris que des baies. Ouais, pareil. Donc là, on cherche à aller. Ok, à la montagne qui est en face de nous, là, on va aller à sa droite, je pense. On remontera par sa droite. Il y a deux passages là, c'est où on avait fait une grotte, là, juste ici. Ouais. Et sur sa, moi j'étais monté sur sa gauche et ça amène au même endroit. J'ai pas vu de Ah oui non pardon c'est ok on peut passer jouer juste à sa gauche autant pour moi c'est la montagne enneigée qui est la grosse. Ouais. Autant pour moi. Ouais c'est... Alors par contre faut peut-être que je remette le stream au lieu de regarder la carte en permanence. Je regarde à gauche et à droite avant de traverser. Ok, il y a une voiture. Ouais, c'est ça. Quoique non, si on remonte à gauche, non, il faut remonter là, en plein milieu. À gauche, ouais, on arrive dans la neige. Où on oui, a, c'est la attention, il y a des. Il y a des hyènes. Des hyènes.
Ah non, ça c'était une chèvre. Une chèvre. Ouais, la gaine elle était sur la droite. Ah bon. Bah, j'ai pris une chèvre. Ça fera manger pour la gaine, c'est pas grave. Oui. On récolte pas là, on s'en. Ah oui, on s'en. Voilà, exactement. On s'en va direct. Bah, on fait la mission et puis on rentre et puis voilà. Ça fait plutôt un bruit de vache, hein, les. Les gazelles, ouais. Mais je connais pas leur vrai bruit, leur vrai son. Les gazelles ressemblent plus à des gnous d'ailleurs qu'à des gazelles, au final. Ouais, c'est vrai. C'est ça. La gazelle de Thompson est grosse comme ça. Ah ouais, peut-être. Oups, la hyène qui est devant. Oui, c'est une hyène. Il y avait. Je vais récupérer ma flèche si je peux. J'ai déplacé mon arc, je sais plus où il est. Mais ça m'a fait pareil tout à l'heure, je l'ai déplacé aussi pour mettre le fusil. D'ailleurs, je vais le remettre à une place logique. Voilà, j'étais venu jusque là. D'accord. Eh bien, là, on est où? On est en L7, L6. Nord-nord-est, là. Attendez une seconde, je regarde la carte. Ouais, là, on suit la montagne à gauche. Là où j'ai tué là, il y a un manque. On suit la montagne à gauche. C'est ce qu'on est en train de faire là. On peut passer soit à gauche, soit à droite, ça revient même, mais on suit à gauche. Parce que s'il y a des tempêtes, il faudra vite trouver une grotte. C'est une chèvre, c'est pas une hyène. Vous êtes parti où là, du coup à droite? Plein nord. Non, plein nord. Ah, plein nord. Ouais, je te vois. Ah oui, je vois là-bas. Ok. Ah, j'ai perdu mes bonus. J'ai perdu le bonus des baies, moi. Ouais, et je vais manger une confiote. Une hyène là-bas. Il y aura une grotte sur la droite, là, sur le. On est où là? Port. L6. Tu peux me donner un poisson ou un bout de pain, ou peu importe, Capo, s'il te plaît? Ouais. Puisque c'est discutable, je vais manger une confiote. Ouais, L6, ouais, il y a une grotte ici, et après on va suivre le canyon. Ouais, je pense qu'on suit le canyon. On va suivre le canyon. Parce qu'il y a plus de grottes le long du canyon, donc c'est peut-être plus. Quoique après, la distance est plus longue. Non, on va continuer tout droit. On longe. Ouais, par la gauche. Ouais, par la gauche. On va longer par la gauche. Tu voulais quoi, Lodo? Un poisson pour l'instant, ça devrait suffire. C'est juste histoire d'avoir le troisième bonus. Merci. Alors, il y a une hyène en face. Il y avait une hyène en face. Il y a une hyène à gauche, je pense. Non, c'était une chèvre. Ouais. Donc, du coup, là, on prend en face. Ouais. On part pas à gauche. Enfin, en face à gauche, quoi. À droite. On part pas à droite. À droite, c'est vers le canyon. Il y a une hyène là-bas à gauche, non? Là, il y en a une. Ah oui, ça, oui, il y a une, ça. Très bien. Tu récupères pas ta flèche? Si, ouais. On va à l'Oasis. Bah, on t'attend à l'Oasis. Pas ah, zut. Bon. Regarde. Direction Oasis, ok. Hop, plein nord. Attention, parce qu'il y a peut-être des bébêtes, là. Ah, au bord du bien. Il y a moins chaud aussi, en tout cas. Ouais. Ouais. Moi, je viens de boire, donc ça aide peut-être aussi. Ouais, dès que tu arrêtes de boire, ça... Mais non, ça va.
J'ai la barre rouge qui est plus petite. Ouais, mais tu vas avoir dès que t'auras le bonus de ce que tu dois avoir mis. Effectivement. Oh, mais il est gros, lui. Lui qui ? Le poisson. Bah, regarde le poisson. Ah non, il y en a des comme ça dans notre lac. Il donne deux poissons. D'accord. Il est joli l'environnement là, sympa. Ouais, hein. C'est vrai. Oui. Ils ont un bon graphiste. J'ai récupéré. Les hyènes font un bruit de loup. Pourquoi pas. Ouais. J'ai récupéré des germes là, des bactéries. Ah, les parasites. Ouais. Ça t'handicape ou non. Ça va. D'accord. Parce que j'ai l'antiparasite. Hein. Non, mais attends, pour juste des bactéries, je vais pas prendre un antiparasite. Ah. Là, il y a une grotte à droite. Ah oui, qui est fermée. Je vais l'ouvrir au cas où. Voilà, bah tiens. Ah bah, tiens. Au cas où ça, en fait. Ok. Est-ce qu'on a le malus de la grotte là? Non. Donc on aura de l'exposure. Là, on l'a pas, non. Ouais, j'ai toujours chaud, par contre. Il faut boire. Il fait chaud. Tac, tac. Donc là, on est en K5. On est en cassette, ça. Donc on est dans cette grotte-là, ok. Grotte dans laquelle il y a du fer. Du fer. Et le but, c'est d'aller justement... Platine. Cuivre. On n'est pas loin, non ? Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.